Yo les potes, c'est Anna, je suis à la montagne. Je suis partie rejoindre une pilote de Formule 4, Angelina Favario, qui habite pas très loin. Yo les amis, on est avec Angelina, je viens de la retrouver, on est Salut pas très loin de chez toi. Oui, à une heure de chez moi à Grenoble. Voilà, on va faire du karting, c'est la première fois que je te rencontre. Oui. On s'était déjà parlé sur une interview, je crois. Oui, un live. Ouais, c'était ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait se voir en vrai pour rouler ensemble. Voilà. Elle a fait 6 heures de route ouais. Pour venir me voir, donc cet après-midi va être mémorable. Ça va être incroyable, on va tout vous filmer et on vous sortira toutes les deux une vidéo sur nos chaînes YouTube pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce karting? Alors, donc ici, c'est le karting de Chronokart à Crolles, donc à Grenoble. Là que j'ai fait mes débuts en karting, donc depuis que j'ai 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et j'ai toujours roulé ici en location et en kart de course. Et elle va tout m'apprendre. Je vais devenir une vraie pilote. Donc, c'est ici que j'ai passé tous mes entraînements, toutes mes courses. Ça me rappelle des beaux souvenirs. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Donc là, il faut toujours atteindre la corde au milieu. Ensuite, tu ressens bien l'extérieur pour gagner du temps. Donc là, tu vas tout droit, c'est une ligne droite. Un petit frein, mais pas beaucoup de pression. Tu prends bien la corde, tu contournes, tu la perds sur le vibreur. Ensuite, là, tu peux monter sur le truc bleu. Moi, je monte dessus. Et là, pareil, tu contournes, tu vas bien contrôler les pneus, frein. Tu vas bien prendre la corde. Moi, je monte sur le truc bleu. Tu vas à l'extérieur, tu reviens. En fait, le but c'est vraiment toujours extérieur, inter, tu vois. Il n'y a pas trop de. Sur circuit, il n'y a pas trop d'endroits où tu vas à mi-piste. Là, tu prends bien les deux cordes, tu réaccélères. Là, moi j'accélère à partir de là, près, pas avant. Et là, tu passes à fond. Tout ici, là, il faut que tu prennes de la vitesse, tu passes bien ici, tu reviens, et là, freinage, et puis tu passes ta corde. Le but c'est vraiment pas que tu laisse faire le kart au maximum, c'est-à-dire que moins tu le contrains, moins tu tournes le volant, mieux c'est. Donc voilà. So patient.
Les backstage. Okay. Ok, so qu'est-ce que t'en as pensé, Anna? C'était très bien, elle est très très forte. Alors moi je trouve que Anna, pour sa deuxième fois, roule super bien. C'est gentil. Future grande pilote, elle a roulé en 39.0 et moi j'ai roulé en 37.1 je crois. Franchement j'ai eu du mal à la perdre. Très très bonne pilote et bravo. Bon, on a fini la session karting, c'était trop cool, merci beaucoup. Merci à toi d'être venue. Et du coup, pour remercier Angelina de m'avoir fait tester le kart à côté de chez elle, je vais l'inviter à Toulouse, à la maison, pour venir tester le simu. J'ai trop hâte. Oui. Elle va venir tester tout, le simu, le volant, sur plein de jeux. Elle va m'apprendre. Ouais, voilà, on échange un petit peu nos rôles. C'est le pilote, oh là là. C'est un abonné trop gentil qui a fait la route en vélo pour venir nous voir. Oui, adorable. Pour toi? Ouais. T'es connu juste pour ça, moi. La voiture est incroyable. Ah, tu vois? Ouais. Bon, les potes, je viens de retrouver la petite 208, Angelina vient de me déposer, c'était trop bien, elle est trop gentille, j'ai trop kiffé. Du coup, prochaine étape, on devrait se voir à Les Deux Noms, puisqu'elle est elle a un meeting à Les Deux Noms, et il y a aussi le GT, donc on va un petit peu tout lier, et puis elle va venir à la maison à Toulouse, du coup, pour tester le simu. C'était trop cool, je suis trop contente, je rentre à Toulouse, j'ai un petit peu de route, je vais monter tout ça, et puis j'espère que la vidéo va vous plaire. C'était trop cool à faire, je suis contente, j'ai fait beaucoup de route pour faire du kart, mais c'était trop bien, elle est trop sympa et c'est trop cool de voir qu'il y a un peu des filles dans le milieu du sport auto et elle est vraiment passionnée et elle se donne les moyens pour réussir et c'est trop beau de voir ça. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il va y avoir aussi une vidéo sur la chaîne YouTube d'Angelina si vous voulez aller la voir, je vais tout mettre dans la barre d'infos et puis du coup prochain épisode à Les Deux Noms pour la suivre sur un week-end de Formule 4. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, si vous kiffez le concept et le projet. Et puis merci d'avoir regardé.